Crowd One est la compagnie qui applique à 100% le marketing de masse, le marketing de foule ou le crowd marketing. Malheureusement, cette compagnie qui en un temps record, en 2 ans, a attiré des millions et des millions de personnes, malheureusement, il y a des personnes qui ont fait fausse route. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment des milliers de personnes, que dis-je, des millions de personnes sont entrées dans ce business sans toutefois le comprendre et qui ont fait fausse route et qui y sortiront peut-être certainement dessus. Je dis vraiment, c'est dommage. Durant cette vidéo, nous allons vous aider à comprendre comment des gens ont fait fausse route. Et peut-être vous êtes parmi ces personnes. Je ne le souhaite pas. Cette vidéo vous aidera à savoir si vous aussi vous êtes sur le chemin de ceux qui ont mis de l'argent dans Crowd One sans avoir compris l'essentiel et qui croient être en train de développer Crowd One, mais non, ils ne sont pas en train de développer Crowd One. Et c'est ce que je regrette pour beaucoup de personnes. Mon nom, c'est Lambert Kwasi, conférencier, formateur, coach en développement personnel. Je suis là encore pour vous apporter un peu de lumière, pour que vous fassiez l'analyse de votre chemin. Si parmi ces millions de personnes, vous vous y trouvez, est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou la mauvaise voie? Vous en saurez davantage. Le premier faux pas que les gens font, c'est depuis l'adhésion. Le premier faux pas que les gens font, c'est dans le choix des packs d'adhésion. La plupart des gens, quand ils voient ces packs d'adhésion, ils se disent que ce sont des packs qu'ils vont payer et qui vont leur produire de l'argent. Pour beaucoup de personnes, ces packs d'adhésion vont leur produire de l'argent. Alors que la vérité est que une personne qui prend le pack, le plus petit pack, qui est le pack de White de 99 €, peut bien sûr se faire plus d'argent qu'une personne qui a payé le pack de 4 499 € qui est le pack Titanium Pro. Oui, je viens de dire que pour beaucoup de personnes, il faut prendre un grand pack pour avoir beaucoup d'argent parce que pour ces personnes-là, le grand pack qu'ils prennent va leur produire beaucoup d'argent. Cela veut dire que pour ces personnes, elles sont en train d'investir leur argent. Et s'ils investissent leur argent, ils vont avoir des paiements résiduels, des paiements mensuels en fonction de l'argent qu'ils auront investi. Et c'est sur cette base-là que beaucoup de personnes sont venues à Crowd One. Si j'investis titanium, je serai bien payé mensuellement. Si j'investis en Titanium Pro, je serai bien payé mensuellement. Si j'investis en tant que Gold, je serai bien payé mensuellement. La compagnie n'a jamais dit cela. La compagnie n'a jamais dit cela. Et c'est le premier faux pas que les gens font. Le deuxième faux pas que les gens font, c'est qu'une personne qui vient et qui paye des packs d'adhésion, à l'époque, il existe toujours dans le système, dans le plan de compensation, ce qu'on appelle le streamline bonus, que je vous montre ça maintenant. Voici le tableau du streamline bonus sur lequel beaucoup de membres de Crowd One se sont trompés. À l'époque,
L'accompagnement pour vous montrer la valeur des Crown One Rewards que vous recevez par semaine quand vous y êtes qualifié. L'accompagnement montrait en euros la valeur de vos Crown One Rewards, ou à l'époque on appelait Honor Rate. Pour le niveau 1, l'accompagnement affichait 2,5 euros pour ceux qui sont qualifiés. Pour le niveau 2, 5 euros. Pour le niveau 3, 7,5 euros. Pour le niveau 4, 10 euros. Pour le niveau 5, 15 euros. Pour le niveau 6, 25 euros. Pour le niveau 7, 50 euros. Pour le niveau 8, 75 euros. Pour le niveau 9, 100 euros. Pour le niveau 10, 150 euros. Pour le niveau 11, 200 euros. Pour le niveau 12, 250 euros. Pour le niveau 13, 500 euros. Pour le niveau 14, 750 euros. Pour le niveau 15, 1000 euros. Pour le niveau 16, 1250 euros. Pour le niveau 17, 1500 euros. Pour le niveau 18, 1750 euros. Pour le niveau 19, 2000 euros. Et pour le niveau 20, 2250 euros. Comment est-ce que la majorité des gens, des membres de Crown ont compris ce Screening Bonus? Ils ne l'ont pas compris comme étant la valeur des Crown One Rewards qu'ils reçoivent chaque semaine. Crown One Rewards qui leur permettra de se faire de l'argent trimestriellement s'ils en ont assez. Ils ont vu le Streamline Bonus comme si chaque semaine ils reçoivent de l'argent et d'autres ont vu en cela comme un moyen de se faire de l'argent chaque semaine. C'est vrai, sur la base des Crown One Rewards dont les valeurs sont affichées dans ce tableau, vous allez vous faire de l'argent chaque trimestre. Mais ce que vous voyez là, ce ne sont pas des gains que vous devrez retirer chaque semaine. Là encore, ça a été un point d'incompréhension de multitudes de personnes à Crown One. Au lieu de comprendre ces Crown One Rewards, au lieu de voir ces montants comme étant la valeur des Crown One Rewards que chaque personne reçoit, ces personnes ont vu cela comme des gains. D'autres se disent que, bon, chaque semaine, rentre dans Crown One, chaque semaine, tu vas avoir tel montant. Voilà encore une grande incompréhension de Crown One qui va causer plus tard des déceptions de la plupart des gens. Mais ce n'est pas la compagnie qui l'a dit. La compagnie vous a affiché la valeur des Crown One Reward, des Honor Rights. Et lorsque chaque mercredi, vous réclamiez les Crown One Rewards, dans votre back-office, dans la partie où on répète l'historique, on dit bien que vous avez réclamé telle quantité de Crown One Rewards ou telle quantité de Honor Rights. Plus tard, la compagnie, voyant que beaucoup de personnes étaient dans l'erreur et n'ont pas compris cela, elle va changer. La présentation du Streamline Bonus, elle va afficher réellement les Crown Rewards. Au lieu d'exprimer leur valeur, la compagnie va exprimer leur nombre. Et je vous présente ça aussi également. Voici comment la compagnie, pour aider les gens à comprendre, est obligée de changer. Là où vous ne voyez plus des montants en euros, là où c'était écrit 2,50, vous voyez maintenant 1,25 Crown One Rewards. Là où c'était 5 euros, c'est écrit maintenant 2,5 euros. Cela veut dire quoi? Que lorsque la compagnie affichait 5 euros, c'est la valeur de 2,5 Crown One Rewards. Étant donné qu'actuellement, un Crown One Reward fait 2 euros, la compagnie voulait vous faire comprendre que les Crown One Rewards que vous avez reçus, vous receviez chaque mercredi, leur valeur était de 5 euros. Et les 5 Crown One Rewards que vous recevez, leur valeur était de 10 euros. Voilà ce que la compagnie était en train de montrer. Et comme beaucoup de personnes ne comprenaient pas, elle a dû changer pour vous montrer réellement.
Là où c'était affiché 2250 euros, qui est là, que d'autres croyaient que c'était de l'argent qu'ils allaient réclamer chaque jour, chaque semaine, c'était normalement 1125 Krawan Award. Vous multipliez par deux, comme un Krawan Award fait 2 euros, ça vous donne 2250 euros. Je peux vous informer, mesdames et messieurs, que sur ce point-là encore, beaucoup de membres de Krawan dans le monde entier ont fait fausse route. Ça fait deux choses importantes. Deux choses qui sont la base de plusieurs déceptions. La première, je vous ai dit, tous ceux qui prenaient des packs, pour eux, ils étaient en train d'investir et donc chaque pack, plus le pack est élevé, plus ils allaient se faire beaucoup d'argent. Le deuxième, les gens se sont dit que tout cet argent qu'ils investissaient, chaque semaine, ils seront payés. C'est comme ça, eux voyaient. D'autres se disaient même que il a 1 000 euros à vie. Tant que Krawana existe, lui, chaque semaine, il prend 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. J'ai fait des vidéos qui sont encore en ligne pour dire attention, vous n'êtes pas en train de recevoir de l'argent chaque semaine. Vous êtes en train de réclamer des Krawan Rewards sur lesquels la compagnie va s'appuyer pour vous payer ce qu'on appelle le paiement trimestriel. À l'époque, on avait donné un nom, le nom m'échappe maintenant, mais c'était le paiement trimestriel. C'était la deuxième erreur que beaucoup de personnes ont commise. La troisième erreur, mesdames et messieurs. La troisième erreur, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas vu l'essence de Krawan. À Krawan, il y a deux choses importantes sur lesquelles on s'appuie pour payer n'importe qui. La compagnie ne s'appuie pas sur le montant que vous avez payé à l'adhésion pour vous rémunérer. La compagnie s'appuie au contraire sur deux choses importantes. Et ça encore, pour ces deux choses importantes, j'ai fait plusieurs vidéos. La première chose, la compagnie pour vous payer mensuellement, vous demandera, mais combien de points tu as? Combien de points avez-vous? Ça veut dire que les points que vous allez avoir dans le binaire, c'est sur ça que la compagnie va s'appuyer pour établir pour vous des grades. Voyez, les points que vous allez accumuler dans le binaire, c'est sur ça que la compagnie va s'appuyer pour établir des grades. Et sur la base des grades, cela va vous qualifier pour des pools. Et dans les pools, c'est là-bas que vous allez gagner beaucoup d'argent chaque mois. Et ce paiement qu'on appelle le paiement résiduel, qui est basé sur les grades. Et voici les pools. Les pools, il y a normalement 21 pools, mais là, c'est 18 que vous allez voir ici. Ils n'ont pas mis à jour. C'était au début 18. Et ils ont ajouté encore d'autres, c'est devenu 21 pools. Et donc, chaque mois, quand plus vos grades augmentent, plus, comme le voyez sur l'image en bleu ici, là, vous allez grandir, prendre beaucoup de portions, je vous l'ai dit, beaucoup de parts dans les pools. Prenez dans la poule numéro 1. Dans le pool, pardon, dans le pool numéro 1, dans le pool numéro 2, dans le pool numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, numéro 12. Chaque pool correspond au nombre de grades que vous avez déjà traversé. Chaque pool correspond au nombre de pools que vous avez déjà traversé. Et donc, plus vous accumulez des parts ou des portions, des sommes à partager dans les pools, dans les différents pools, plus votre argent augmente chaque mois. Il y a des gens, chaque mois, ont 17 morceaux parce qu'ils ont traversé des niveaux de grade jusqu'au 17e niveau de grade. D'autres ont tel niveau de telle portion, telle portion, telle portion, telle portion. Celui qui a atteint des grades élevés, chaque mois quand on partage l'argent, la personne a beaucoup de parts, plusieurs parts.
ceux qui n'ont pas sont dans les petits grades, ont un nombre réduit de pôles dans lesquels ils sont payés. Et bien évidemment, à la fin de chaque mois, ils vont se plaindre qu'ils n'ont rien eu de grand. Parce que vous êtes dans des pôles, vous n'êtes pas qualifié dans un grand nombre de pôles. Et dans les pôles dans lesquels vous êtes qualifié, vous êtes tellement nombreux que l'argent qu'on partage là-bas, chaque pôle, pas que vous recevez, est très, très, très minime parce que vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Et que faut-il faire pour être qualifié dans les pôles? Il faut avoir des points. Il faut avoir des points. Et que faut-il faire pour avoir beaucoup de points? Il faut construire un réseau. Il faut bâtir un réseau. Il faut travailler pour construire le binaire. Parrainer à gauche, à droite. Construire le réseau à gauche, à droite. Construire le réseau à gauche, à droite. Parce que lorsque les gens rentrent dans le binaire, cela génère pour vous des points. Et ces points-là donnent de l'argent. Enfin, ces points donnent d'abord des grades. Et ce sont des grades qui donnent l'argent. Les points donnent des grades. Et ce sont ces grades que vous voyez dans le back-office. Quand vous cliquez sur ça, on vous montre les grades. Et ce sont des points-là qui donnent les grades. Et pour avoir ces grades, il faut que dans ton réseau, des gens achètent le pack de formation de CloudOne. Et cela génère des points et les points te qualifient pour des grades. Et quand tu es qualifié dans les 21 pôles, dans les 21 grades, le dernier grade qui est le 21e grade, tu es qualifié sur 21 pôles. C'est pour ça que vous voyez là, à l'extrême droite ici, voilà les grades sont là. Pendant qu'on affiche les grades, on affiche les pôles. Et manager une étoile, tu qualifies jusqu'au pôle numéro 7. Directeur une étoile, tu qualifies jusqu'au pôle numéro 10. Etc., etc. Donc, tous ceux qui sont venus à Krawa, beaucoup de personnes ont cru que c'est le capital qu'elles ont payé au début là, qui va faire que c'est comme s'ils ont investi de l'argent, elles ont investi de l'argent, et que chaque mois sur la base de leur argent, on va bien les payer mensuellement. Ça encore, la compagnie ne l'a jamais dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de l'erreur numéro 3 qu'ils sont en train d'écrire, beaucoup de personnes se sont dit que si elles prennent les packs élevés, par conséquent, les paiements trimestres, elles seront bien payées. Là, elles ont plus ou moins raison, mais pas totalement raison. Parce que l'adhésion va vous donner un certain nombre de Krawan Rewards. Parce que le paiement trimestriel, contrairement au paiement mensuel, n'est pas basé sur les points, mais sur les Krawan Rewards. Et bien évidemment, dans les Krawan Rewards, à l'adhésion, selon le pack d'adhésion que vous prenez, vous avez un certain nombre important de Krawan Rewards selon le pack que vous prenez, que je vous montre ça ici maintenant. Donc, je dis que là, ils ont un peu raison, mais pas totalement raison. C'est là encore le piège. Parce que le piège, c'est de croire que comme tu as pris un pack élevé, et donc ça suffit pour que chaque mois, tu sois bien payé. Non, ce n'est pas suffisant. C'est vrai, le pack à partir de Gold, Titanium et Titanium Pro, regardez ici le nombre de Krawan Rewards que ça vous donne. Ça vous donne 500 Krawan Rewards. Par exemple, le Gold donne 500 Krawan Rewards, dont la valeur est de 1000 euros. Le pack Titanium donne 1750 Krawan Rewards, dont la valeur de 3500 euros. Le pack Titanium Pro donne 3500 euros, dont la valeur de 7000 euros. Donc, à l'époque, pour acquérir le maximum de Krawan Rewards, moi, dans mes conférences, dans mes vidéos, j'encourageais des gens qui ne savent qu'elles ne peuvent pas bien parrainer d'acquérir assez de Krawan Rewards à l'adhésion, et ce n'est pas faux. Mais l'accumulation, enfin l'acquisition de ces Krawan Rewards à l'adhésion ou dans les upgrades, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour vous donner une grande somme d'argent. Il va falloir compléter le nombre de Krawan Rewards par d'autres moyens d'acquisition
pour que vous puissiez en avoir suffisamment pour que chaque trimestre soit bien payé. Et quelles sont les autres options d'acquisition des Crown One Rewards? Hormis l'adhésion et l'upgrade, il existe deux autres formes d'acquisition des Crown One Rewards qui, ma foi, vous aideront à acquérir le maximum des Crown One Rewards pour que vous soyez bien qualifié pour que lorsque viendra le paiement trimestriel, vous puissiez être qualifié pour être bien payé trimestriellement. Malheureusement, l'erreur que je suis en train de décrire ici, c'est que beaucoup de personnes sont venues et elles se sont limitées au paiement au Crown One Reward acquis pendant l'adhésion ou bien pendant l'upgrade et ces personnes ont croisé les bras, elles attendent le paiement trimestriel. Et quand les paiements trimestriels viennent qu'elles n'ont pas assez d'argent, ces personnes disent « Oh, j'ai investi mon argent, je n'ai rien eu. » Voilà, mesdames et messieurs, l'erreur numéro 2 que la plupart des gens commettent. Première erreur, je disais, ils croient qu'en payant un grand montant d'adhésion, ils vont se faire beaucoup d'argent. Et ils ont payé grand montant, ils ne gagnent rien, ils ne gagnent pas grand somme d'argent mensuellement et ils crient à la nacre, à l'escroquerie. Pourtant, ce sont eux qui sont à côté de la plaque. La deuxième erreur, ils se sont dit qu'en venant, juste en payant le montant, un blind de pack ici, ils vont avoir des Crown One Rewards en grand nombre. C'est vrai, chaque pack, à partir du Gold Titanium, Titanium Pro, regardez le nombre de Crown One Rewards que ça donne par rapport au pack White et Black. White et Black 50, Black 150, White 50. Et Gold 500 Crown One Rewards, 1750, 3500. Mais mesdames et messieurs, dans le fonctionnement de la compagnie, ça c'est la base. Ce que vous allez avoir comme Crown One Rewards ici. Ce que vous devrez faire pour acquérir beaucoup de Crown One Rewards, ce n'est pas l'adhésion seule ne suffit pas. Il va falloir faire autre travail pour accumuler le maximum de Crown One Rewards et je vous montre ça maintenant. Et c'est la chose que beaucoup de personnes n'ont pas faite et qu'elles croient avoir fait l'essentiel en payant une somme d'argent. Là encore, c'est une erreur vraiment capitale. Regardez bien dans mon back office. Je vous montre mes Crown One Rewards. Je suis d'abord Titanium Pro. Allons-y voir ce qu'un Titanium Pro a comme Crown One Reward. Tout à l'heure, on a regardé. C'était bien noté, marqué pour le Titanium Pro. Ils ont 1700. Et c'est 1700. Ils ont plus que ça, je crois. On va voir ça rapidement. On revoit ça et on revient en arrière. Si quelqu'un rentre en Titanium Pro, on lui donne un total de 3500 Crown One Reward. Moi, j'ai commencé en black, d'upgrade en upgrade, je suis arrivé à Titanium Pro. Donc, en temps normal, il devrait avoir un total de 3500 Crown One Rewards. Allons-y voir ce que j'ai. Lorsque vous voyez là, je suis Titanium Pro et j'ai combien de Crown One Rewards? J'ai 167 487 Crown One Rewards. Alors, pourquoi j'ai 167 000 au lieu de 3500 Crown One Rewards? 167 487. D'où est venue la différence? Quand vous faites 167 487 moins 3500 que j'ai reçu à l'adhésion, il reste 167 487 moins 3500, il reste 163 987. Donc, où est-ce que j'ai eu les 163 987 Crown One Rewards qui sont vachement supérieurs à ce que j'ai acquis à l'adhésion? Beaucoup de personnes sont venues à Crown One, n'ont pas cherché à augmenter leur quantité de Crown One Rewards. Parce que ne sachant pas que dans cette compagnie, il y a deux choses qui peuvent les enrichir. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et quand je faisais les vidéos, des gens qui essaient pressés de s'enrichir disaient que je suis long dans les vidéos. 30 minutes, c'est beaucoup. 45 minutes, c'est beaucoup. Ils ne prennent pas le temps pour écouter les vidéos. Et la plupart de ces personnes ont pris le chemin qui les conduit sur une voie sans succès. Malheureusement, l'ignorance conduit dans un trou. Et donc, quand vous voyez mon back office, c'est un exemple que je vous montre.
Je n'estime pas avoir le grand nombre de Krawan et Rewards. Mais je montre des réalités. Ce qui montre qu'à Krawan, il y a deux groupes de personnes. Il y a d'autres qui sont à côté de la plaque. Ils sont totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de faire Krawan. Ils croient en train de faire Krawan, mais ils ne sont pas en train de faire Krawan. Et je vous le garantis. Je sais de quoi je parle. Et donc, ces personnes n'ont ni misé sur les Krawan et Rewards, n'ont ni misé sur les points, et ces personnes ne sont pas en train de faire le Krawan. Pour eux, pour elles, elles ont payé de l'argent. Par conséquent, on doit leur donner de l'argent chaque mois et chaque trimestre. Voilà le raisonnement de la plupart des gens. Alors que dans la philosophie de la compagnie, dans la logique de la compagnie, ce n'est pas le pack que tu as pris qui te qualifie pour gagner de l'argent chaque, comment on appelle, chaque mois. L'argent que tu gagnes chaque mois, même si tu es un white et que tu as beaucoup de points, tu peux devenir président même si tu es white. Et un président qui est white, qui est rentré en white et qui a eu beaucoup de points, que les points ont augmenté pour devenir président, il a eu des poules, il est calé dans les poules, il gagne de l'argent 10 fois, 1000 fois plus que celui qui est rentré avec titanium et qui n'a même pas de points dans le binaire pour faire de lui, à donner le grade et que les grades le qualifient dans des poules. Un white peut être mieux payé que celui qui est rentré à titanium. Ça, beaucoup ne savent pas. Ils s'appuient sur le montant qu'ils ont dépensé à l'adhésion. Et ces sommes d'argent qu'on a calculées, la différence qu'on a calculée tout à l'heure, cette différence qui est de combien? De 163 987 Krawan Award, je les ai obtenues sur deux choses. Chaque fois que je gagnais de l'argent ici, dans mon account balance, la compagnie prenait 30% de mon argent pour acquérir des Krawan Rewards pour me donner. 30%. Ce sont ces 30%-là qui ont contribué à avoir un surplus de 163 987 Krawan Rewards en dehors de mon pack d'adhésion. Et ça, ça m'a aidé. Ce n'est pas tout. La compagnie a donné une occasion à tout le monde de pouvoir accumuler le maximum de Krawan et Rewards dans le Streamline Bonus. Mais là encore, il fallait payer le prix. Il va falloir que vous ayez à parrainer des gens. Or, beaucoup de personnes viennent, elles ne parrainent pas. Elles restent ici au point zéro, niveau 1, zéro personne parrainée. Et elles se satisfont d'avoir par semaine 1,25 Krawan et Rewards. Le dépôt était 2,5 euros, qu'est-ce que ça affichait. Mais, comme je le disais précédemment, c'est la valeur de 1,25 Krawan Rewards qui s'affichait et eux voyaient ça comme de l'argent. Et donc, vous tous qui n'avez pas parrainé, peu importe votre pack d'adhésion, prenez 1,25 Krawan Rewards. Où est-ce que ça va vous emmener, 1,25 Krawan Rewards? Pendant que d'autres personnes sont en train de se taper, comme le mien, 1250 Krawan Rewards par semaine, vous êtes dans 1,25 Krawan Rewards par semaine. Quand vous faites un mois, pendant que vous avez 1,25 fois 4, qui va vous donner peut-être, dans un mois, ça va faire, je crois, ça va faire 5 Krawan Rewards. Pendant que vous avez 5 Krawan Rewards dans un mois, lui qui est ici, il se tape plus de 4 000, je crois bien 500, 4504 Krawan Rewards. Pendant que vous avez 5 Krawan Rewards dans un mois, lui se tape 4500 Krawan Rewards, si je calcule bien. Vous voyez la grande différence. Donc, quand vient le jour où celui qui a été qualifié dans le 20e niveau de Streamline Bonus, quand vient le jour des paiements trimestriels, la compagnie ne demande pas, monsieur, quel est le pack d'adhésion que vous avez pris? Non, la compagnie demande, combien de Krawan Rewards as-tu? Combien as-tu? Mais pour être qualifié dans le Streamline Bonus, des gens ont fait ce que beaucoup de personnes ne font pas. Toute cette foule qui est là à Krawan, beaucoup sont venus, ne veulent pas parrainer, ne veulent pas entreprendre. Or, la compagnie, ce qui fait sa force, ce qui fait qu'il y a l'argent dans le système à partager, pour qu'il y ait de l'argent dans le système à partager, il faut que des gens attirent la clientèle. Pour que ce partage ait lieu, il a fallu que des gens orientent des clients
vers les partenaires de CloudOne ou que des gens parrainent des gens dans le système. C'est lorsque vous avez envoyé des gens à CloudOne, vous les avez parrainés, que ces personnes peuvent aller faire des achats, comme le système le montre ici, pour que vos membres, ils sont partis faire des achats chez le partenaire. Cet achat a généré une commission, commission que la compagnie CloudOne va recevoir, qui représente une certaine somme d'argent et que la compagnie va partager en prenant 20%, consacrer 40% à ceux qui sont, ont des points, ont des grades, qu'ils soient payés mensuellement, tous les mois, et que ceux qui ont des CloudOne Rewards soient payés trimestriellement. Dans les deux cas, les gens le méritent. Ceux qui sont payés mensuellement, pour être qualifiés pour être mensuellement, c'est que tu as eu des points. Pour avoir des points, tu as parrainé des gens, ton équipe a beaucoup parrainé, et ça a généré des points. Les points ont donné des grades. Et je disais que pour ces paiements mensuels, ce n'est pas une affaire de combien tu as payé. C'est une affaire de combien de points tu as. On ne demande pas quel est ton pack d'adhésion. Même un white peut avoir, être bien payé mensuellement parce qu'il est venu, il a travaillé, il a eu un grand réseau. Et le white peut devenir président, peut devenir manager, directeur, combien d'étoiles, ambassadeur, et gagner beaucoup d'argent parce qu'il a eu beaucoup de points. Donc là encore, ceux qui sont venus sur la base de l'argent qu'ils ont investi sont encore à côté de la plaque. Prenons le côté des CloudOne Rewards. À l'adhésion, vous en avez eu. Votre argent aura contribué à vous donner un peu, une grande quantité. Mais cette quantité n'est pas suffisante pour que chaque trimestre, on vous paye 40% de cet argent, vous avez pu savoir beaucoup. Parce que la compagnie vous demandera encore combien de CloudOne Rewards as-tu? Combien as-tu? Et là encore, il y a souci. Mesdames et messieurs, voilà le deuxième point d'erreur de la plupart de ceux qui viennent à CloudOne. Et quand les gens disent qu'ils sont déçus, ils sont déçus par rapport à quoi? Ils sont déçus parce qu'ils ont investi une grande somme d'argent. Mais cet argent a servi à quoi? Cet argent qu'ils ont investi a servi à quoi? Et c'est là, sur ce point, qu'on va terminer. On va l'expliquer. Et pour que beaucoup de personnes soient situées une fois pour toutes. Même si dans la vie, vous avez fait une erreur, et qu'on peut vous expliquer où est venue l'erreur, vous pouvez comprendre pourquoi ceci et pourquoi cela. Lorsque vous venez à CloudOne, les packs d'adhésion qui sont là, ce sont des packs d'éducation. C'est écrit là « e-education ». Éducation, 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 éducation. Donc, vous venez acheter une formation qui, selon la compagnie qui veut faire de vous, mettre dans votre main le marketing d'affiliation, le marketing de masse, le crowd marketing, le marketing d'influence, afin que vous soyez formé de manière à être intermédiaire entre la compagnie et ses partenaires. Pour que, via vous, la compagnie CloudOne puisse attirer du monde dans son business. Voilà un peu la vision de la compagnie. Donc, toute personne qui veut participer à ce business pour se faire de l'argent doit d'abord payer, acheter la formation. Et la formation, du coup, devient aussi un produit et qui motive les gens à vendre et à se faire aussi de l'argent. Donc, quand vous venez, l'argent que vous dépensez, vous payez une formation dont la valeur est de 99 € en tant que white, un black, vous payez une formation. Vous achetez une formation, vous achetez. Et vous recevez cette formation dans votre back office. Donc, dès lors que vous avez acheté, et quand vous avez donné un reçu, vous avez reçu la formation, l'échange de marchandises est effectué, donc la compagnie ne vous doit absolument rien. Elle ne vous doit absolument rien. Donc, sur ce point-là, beaucoup de personnes sont aussi trompées en croyant que lorsqu'elles viennent, qu'elles achètent un pack, elles sont en train d'investir de l'argent ou bien elles sont en train d'acheter des actions ou bien en train d'acheter des CloudOne Rewards. La compagnie dit, moi, je vous donne des CloudOne Rewards. Vous n'achetez pas des CloudOne Rewards. Moi, je vous donne des Honor Rights. Et cela est écrit noir sur blanc. La compagnie dit, je vous donne. Je vous donne. Vous n'achetez pas. Et là encore, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Sur le feu rouge et le feu vert que vous avez devant vous. La compagnie dit, we are not... CloudOne is not selling shares. C'est-à-dire, nous ne vendons pas des actions. Donc, le tableau que vous avez vu tout à l'heure, quand vous venez adhérer, vous n'êtes pas en train d'acheter des actions qui vont vous produire de l'argent. Non. Si vous recevez quelque chose, la compagnie vous donne
vous donne des crown and rewards. Il dit, ces lignes en éducation programme incluent une free crown and rewards. C'est-à-dire, nous vendons une formation, mais dans la formation, là, en même temps que vous achetez, qu'on vous livre cette formation, on vous donne gratuitement, free, des crown and rewards. Et là encore, c'est un autre point important que je me dois de vous expliquer. Alors, pourquoi ils ont mis dans vos packs d'adhésion des honor rights ou bien des crown de honor rights ou des qu'on appelle aujourd'hui des crown rewards, à l'époque on appelait des honor rights, des droits de propriétaire. Pourquoi ils ont mis dedans? Ils l'ont mis dedans pour deux raisons. La première raison, pour que vous qui participez à cette grande entreprise, l'argent que vous avez dépensé pour que cette entreprise puisse acheter ce produit qui est la formation, pour que votre capital ne soit pas de l'argent perdu non plus. Vous comprenez? Si vous asseyez pour me réfléchir en tant qu'homme d'affaires, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont en train de se plaindre, et là aussi c'est l'erreur numéro 4 de la plupart des gens, c'est qu'ils se donnent des AVC pour rien, qu'ils se donnent qui s'inquiètent pour rien, c'est que vous avez acheté un produit, on vous l'a livré. En plus, on vous donne quelque chose dont la valeur vaut l'argent que vous avez dépensé. Et vous détenez ces choses-là. Et ces choses que vous détenez, il y a deux choses importantes, trois choses importantes là-dedans. La chose que vous détenez, là, il y a trois choses importantes dedans. La première chose, cette chose que vous détenez qu'on appelle les Crown Awards, il y a trois choses importantes qui vous font du bien. La première, le premier point, le premier bien, c'est que sur cette base des Crown Awards que vous avez eu gratuitement, on vous paye petit soit-il, on vous paye trimestriellement. Petit soit-il, on vous paye trimestriellement parce que vous en possédez. Vous devrez en avoir beaucoup, mais vous en avez peu. On vous paye au prorata de vous avez trimestriellement. Ça peut paraître insignifiant, mais on vous paye trimestriellement avec ça. La deuxième chose, c'est que le fait que vous possédez ces Crown Rewards, leur valeur est supérieur ou égal à l'argent que vous avez dépensé vous-même. Donc, du coup, c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est comme si, c'est vrai, vous avez dépensé de l'argent, mais c'est comme si votre argent l'a encore dans votre main encore. Parce que derrière ici, un tel qui dépense 99 euros, il a des Crown Rewards d'une valeur de 100 euros. Un tel qui dépense 289 euros pour devenir black, il a des Crown Rewards d'une valeur de 300 euros. Un autre qui dépense 1699 euros, il a des Crown Rewards d'une valeur de 1000 euros. Un tel qui dépense 2499 euros, il a des Crown Rewards d'une valeur de 3500 euros, plus que ce qu'il a dépensé. Un autre qui dépense 4499 euros, il a des Crown Rewards d'une valeur de 7000 euros. La troisième chose, mesdames et messieurs, c'est que ces Crown Rewards que vous avez, plus tard, quand la compagnie va finir de lancer les produits et qu'elle ne va plus donner des Crown Rewards durant les adhésions, les nouveaux membres qui vont venir pour en avoir, ils seront obligés d'aller en acheter sur la plateforme de spéculation. C'est là que vous qui en avez ces nombres de Crown Rewards, vous allez les vendre. Si vous les vendez, si actuellement un fait 2 euros, supposons que ce soit 2 euros actuellement, si tu vends tes 50 à 2 euros, tu retrouves 100 euros. Ton capital de départ, tu l'as retrouvé. Un autre qui a eu 150 Crown Rewards, il vend à 2 euros l'unité, si c'est à 2 euros, bien 3 euros, mais prenons 2 euros. Il retrouve son capital qui est de 300 euros. Un autre qui a ses 500 Crown Rewards, il vend à 2 euros, il a 1000 euros, plus que son capital. Un autre qui a ses 1705 Crown Rewards, il vend, il reçoit 3500 euros, plus que son capital. Un autre qui a 3500 Crown Rewards, il les vend, il a 7000 euros, il n'a pas dépensé 7000 euros, mais il reçoit 7000 euros. Qu'est-ce que vous perdez? Là encore, erreur. Des gens sont frustrés, découragés, abattus. Pour ces personnes, elles ont perdu leur argent. Pourtant, la compagnie vous dit, ces Crown Rewards que je vous donne, c'est au pré-lancement. Et je vous montre ça aussi où c'est. Lorsque vous venez dans votre back-office, venez ici dans la partie info, prenez Crown Rewards. Il est écrit que les Crown Rewards que vous avez là, qu'on donne là, ce n'est disponible que pendant le pré-lancement.
Et il a écrit bien là que c'est durant le pré-lancement. Pré-lancement de quoi? Des produits. Et vous savez que les gains que vous avez là, c'est parce que vous avez participé à la campagne, comme vous avez les Crowd One Awards, et que c'est, la campagne veut que vous bénéficiez des gains provenant des Crowd One Awards. C'est pour ça que le paiement trimestriel s'appelle Crowd One Awards. Crowd One Reward. Reward veut dire quoi? Récompense. Récompense. Les récompenses des Crowd One, ça veut dire que ce n'est pas de l'argent que vous, normalement, vous devez mériter. Vous méritez, ça veut dire que la compagnie accepte de partager cet argent avec vous. Et la compagnie dit qu'actuellement, pour l'heure, un Crowd One Reward fait 20 BP. 20 BP, ça veut dire donc ça fait 2 euros. Vous divisez par 10, ça fait 2 euros. 2 euros, mesdames et messieurs, c'est la valeur de chaque Crowd One Reward que vous avez. Donc, c'est valable qu'au pré-lancement. Ça veut dire que la quantité que vous avez actuellement là, un jour viendra où des gens ne pourront plus en avoir à l'adhésion comme vous en avez eu en adhésion. Et c'est avec vous que ces personnes vont acquérir les Crowd One Rewards. Et vous allez leur vendre au cours du jour. Votre capital, vous les retrouvez. Mesdames et messieurs, je vais faire cette vidéo pour montrer comment, parmi les milliers de personnes qui se disent faire Crowd One, je dirais parmi ces millions de personnes qui sont venues à Crowd One, qui croient que faire de l'argent dans un système où ils peuvent gagner de l'argent en développant un business 100% mobile, je suis désolé de vous faire comprendre que beaucoup n'ont pas compris dans quoi ils sont rentrés. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne savent rien de leur business. Comment les batailles se vont? Sur quelle base? Pourquoi d'autres sont payés sur la base des Crowd One Rewards? Ils n'en savent rien. À quoi sert les Crowd One Rewards? Comment le partage est fait? Pourquoi 40%? Pourquoi d'autres sont payés mensuellement? Et pourquoi ils sont payés mensuellement? Sur quelle base? Pourquoi d'autres sont payés trimestriellement? Pourquoi d'autres gagnent plus d'argent? Pourquoi d'autres disent que c'est bon? Que Crowd One, c'est la meilleure opportunité? Et puis d'autres aussi disent que non, Crowd One, c'est nul. Mais pourquoi? Ça dépend de votre position. Dans cette foule qui est ici, dans cette foule que vous voyez ici, là. Où est-ce que vous vous trouvez? Où est-ce que vous vous trouvez? À quel niveau êtes-vous? À quel niveau êtes-vous? Dans cette foule que vous voyez ici, où est-ce que vous vous trouvez? Alors, retiens que j'ai été là pour t'aider, à te tendre encore la main, s'il y a encore la possibilité de te sauver. Et je suis là pour te tendre la main, comme tu le vois, pour t'apporter encore plus de soutien, plus de lumière, plus de connaissances sur ce business dans lequel tu as mis ton argent. Est-ce que tu as compris tel qu'il fallait le comprendre? Sois honnête envers toi-même. Sois honnête envers toi-même. Est-ce que tu as compris comme il fallait le comprendre? Et tu sais que la compagnie est là pour que des hommes et des femmes d'affaires fassent la promotion de leurs produits et que pour qu'on sache qui a fait quoi, il faut donner des points et des Crowd One Award à des gens pour que sur cette base, quand vient le moment de partager l'argent, on sache qui sont les plus méritants et à qui il faut donner l'argent. Mesdames et messieurs, si vous étiez à la place des Crowd One, vous signez des partenariats avec des entreprises dans le but de commercialiser leurs produits. Vous-même, vous n'ayant pas de produits. Vous faites appel à une troupe, à du monde, à de la foule, pour que cette foule-là, des entrepreneurs, puisse vous aider à vous faire de l'argent. Parmi eux, il y aura des paresseux. Parmi eux, il y aura des négligents. Parmi eux, il y aura des gens déterminés qui vont vous aider à attirer des clients pour vos partenaires. Vos partenaires vous payent de l'argent. Qui allez-vous récompenser d'abord? N'est-ce pas ceux qui vous ont aidé à avoir cet argent? C'est ainsi que pour savoir qui a fait quoi, sur le plan informatique, on crée un système où on donne des points à des gens qui le méritent et des Crowd One Award à des gens qui le méritent. Plus tu attires du monde, alors dans le Streamline Bonus, on sait que toi, tu as attiré du monde, tu es qualifié dans des niveaux. Plus tu attires du monde, tu gagnes des points. Sur la base des points, tu as des grades. Sur les grades, la base des grades, tu as des poules, tu es qualifié dans les poules. Et quand vient le moment de payer les gens trimestriellement, ceux qui ont beaucoup de Crowd One Award, on les paye trimestriellement selon leur mérite. Et quand vient le moment de payer les gens qui ont acquis beaucoup de points parce qu'ils ont attiré du monde, ils ont eu beaucoup de points,
leur équipe à partir du monde, eux ont les récompenses. Et voilà une telle situation dans laquelle des gens viendront vers toi, toi en tant qu'entreprise, pour dire, bon, moi j'ai déposé mon argent, tu ne m'as rien donné, tu ne m'as pas donné grande somme d'argent. Ça, c'est un autre débat. Le vrai débat, tu es venu, tu as acheté une formation, et pendant que tu as acheté la formation, on t'a donné des Crowd One Reward dont la valeur est là dans ton back-office, et que plus tard même, tu peux l'échanger pour retrouver ton capital que tu as dépensé au départ. Mais pendant ce laps de temps, pendant qu'on est en train d'évoluer, avant qu'on ne mette sur cette plateforme de spéculation qui pourra t'aider à te retrouver ton capital, pendant ce laps de temps, tu es en train de te plaindre alors que tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire pour avoir le paiement mensuel ou trimestriel. Voilà le problème de la plupart des gens. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. Je crois que je t'ai apporté un peu de lumière si tu veux être honnête envers moi. Si tu as aimé, il faut aimer, il faut partager. Pour aider d'autres multitudes qui sont perdues, qui sont sur une autre voie qui n'a rien à voir avec Crowd One, malheureusement. Bonne soirée, bonne journée. Que Dieu vous garde. Ciao.